D'après moi, c'est un manque de moyens. C'est aussi... c'est un peu comme un sujet qu'on n'aborde pas souvent avec les personnes parce que c'est pas vraiment amusant. C'est des difficultés financières. C'est aussi... On peut subir de l'intimidation, de la discrimination à cause qu'on a moins d'argent. Ton père, il travaille pas, toi, t'es un BS, plein d'affaires comme ça. Puis c'est pas super amusant, ça va dire ça. Ben la pauvreté, c'est pas toujours pas avoir d'argent. Ça peut aussi être... Il y a pas de famille. Un pauvre, il y en a qui trouvent que oh, lui, il va pas être intelligent ou il veut pas travailler. Il y a aussi pas être... pas être heureux dans la vie. C'est pas mal être pauvre, ça. Si t'es tout seul, j'ai une grande maison, puis tu sais rien faire de tes journées. C'est plate. Ouais, pas d'enfant. Ben, ça peut être n'importe qui. Ça pourrait être toi, ça pourrait être moi. Ça peut être n'importe qui. Mais on le sait pas nécessairement. Il marche tout croche, il est tout déchiré, il est tout sale. Ben, je pense qu'il est pauvre, là. Il peut avoir des bonnes valeurs, il peut être bon au soccer, il peut avoir plusieurs qualités même s'il est pauvre, là. C'est juste qu'il manque d'argent. Même s'il est pauvre, c'est pas qu'il... Il faut quand même avoir des amis, parce que s'il est pauvre et qu'il n'y a pas d'amis en plus, il va pas être mieux dans sa vie. Là. Pas être tout seul, faut en parler à des personnes, t'sais, ils vont peut-être nous aider. Justement, d'en parler comme ça, puis le montrer aux autres que c'est pas bien, puis c'est pas nécessairement vrai. Tu peux avoir un préjugé sur quelqu'un puis c'est totalement faux. Là. De réduire, ça c'est possible, ou de s'en rendre compte, c'est possible aussi.